On est en train de réveiller un enfant de Dieu qui dormait, qui s'appelle David. David, c'est un chrétien. On lui demande de se réveiller. David, oui, le combat a commencé. Le combat s'est déclenché. Réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Le combat spirituel est réel. Maman, chrétienne, chrétien, réveillez-vous. Amara, c'est qui Amara? Amara est réveillée. Réveille-toi, viens, allons-y. De l'autre côté, c'était un ange de Dieu qui venait de réveiller David pour la prière. Lamuka, réveille-toi pour la prière. Le combat a commencé, le combat est réel. Et de l'autre côté, c'est sa petite sœur, Amara. Les sorciers sont venus la prendre, allons-y. Elle essaye de sortir, mais elle n'arrive pas. Elle essaye de sortir, elle n'arrive pas. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ça s'annonce très très intéressant, la force de la prière, la puissance de la prière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, merci pour cette opportunité, cette grâce. Oui, merci de me permettre de me tenir là, de combattre encore le royaume des ténèbres. L'Esprit de Dieu l'avait réveillé. Lève-toi, le combat a commencé. Et David a obéi à l'appel de la prière. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Entre en prière. La guerre a commencé. Il y a la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il est en train de paralyser, de détruire les forces du mal. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez fait un mauvais rêve qui annonce un mauvais message. Vous avez des mauvais pressentiments. Vous avez des maladies. Vous avez des blocages. Vous avez beaucoup de complications. C'est un message de Dieu qui vous appelle à la prière. Maman, réveillez-vous pour la prière. Papa, réveillez-vous. Il parle la langue. Re-ba-ba-ba-ba-ba-chata. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, chapitre 18. David, ce jeune garçon, il est dans la prière. Re-ka-bra-sata. Re-ka-bro-chete. Maman, la guerre est réelle. Pendant que vous serez en prière, les démons enverront leurs agents pour vous distraire. Amara est là pour distraire David. Je ne peux pas m'arrêter de prier. Elle est venue pour l'arrêter de prier. Ça fait déjà 3 heures depuis que tu pries. Depuis que tu as commencé à prier et à chanter, tu m'empêches de dormir, tu arrêtes mon sommeil, tu empêches mon sommeil. Bien-aimé, ils viendront toujours avec des stratégies. Arrête-toi un peu, va me préparer à manger pour un loca. Arrête-toi, va d'abord me servir. Arrête-toi, tu nous déranges. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as obtenu? Oui, tu seras en train de prier, ils viendront te déranger. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Si ce n'est pas elle-même cette personne, la sorcière, elle est tout simplement utilisée. Oui, la clé est la grande clé. Oui, Master Key. Oui, la prière est la grande clé, bien-aimé. Cette grande clé pour ouvrir des portes. Maman, s'il y a un homme pour prier, papa, s'il y a une femme pour prier, il y a un Dieu quelque part pour répondre. The prayer is the Master Key. Et la grande clé qui ouvre. Maman, priez. Quand tu pries, les portes vont s'ouvrir.
Répadaba. Elle n'a pas réussi à la distraire. Maman, ils viendront te distraire. Papa, ils viendront te distraire. Ne va pas dans cette église. Ils vont te dire des choses à téléphone pour te décourager. Ils vont te dire des choses à propos de l'homme de Dieu pour que tu n'ailles pas. Ils te feront voir, ils te feront entendre. Tout ça, c'est pour te décourager. Risque du diable. Elle essaye de sortir encore, mais elle n'arrive pas. Fatiguée parce que David est en train de prier. Maman, quand vous priez, papa, quand vous priez, ceux qui sont sorciers dans votre maison n'arriveront pas à opérer.